impossible de vous dire si la nouvelle demi-finale catégorie des pupilles novices avec immédiatement Paco Rodriguez, une chute dans le premier virage. Normalement pour un pilote de vitrole, peut-être Jérémy Barillet ou Lucas Destriche. En tout cas, il y a bien un pilote de vitrole, deux premières places, c'est Lucas Destriche. C'est donc Jérémy Barillet qui avait malheureusement chuté dans le premier virage. Il y a deux pilotes d'entre champs, première et quatrième et troisième position. Ça nous fait entre champs Paco Rodriguez. Pilote de Vitrol qui entraîne le pilote qui était près de sa victoire, qui était à la quatrième position. Du coup, un pilote de Tarascon en profite au passage. Et bien, c'est Léon Rigoulet, dernier virage, Paco Rodriguez. Et le pilote entre chaud et son pote Tom Clément vont se qualifier normalement. Et bien sûr, les Tarasconnais à l'honneur, on va retrouver Nathan Lona, Jupin Naruto, Lucas Cyprien pour peut-être un pilote de plus en finale du côté de l'ECT. Ils sont déjà deux ou deux premières positions alors que le Bunny Club Briançon, mal ou veste pour ses premières compétitions en Coupe de Provence, et peut-être aux portes de la finale. Il y est justement pour de la finale, il est troisième. À la quatrième position, il y a Vitrol avec Nicolas Liotier, regardez-le, avec son maillot jaune, il va voir pour la quatrième place. Ça revient pour Jules Panaruto. De Tabasco, je ne connais bien le terrain, les virages, une trajectoire à prendre pour aller peut-être prendre la quatrième place, voire la troisième. Si tout se passe bien, il y a trois Tabasco en place de se qualifier en finale. Jules Panaruto met la pression au pilote de Vitrol. Nicolas Liotier va peut-être.